Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Edenaka et je suis là pour vous parler de la mode qu'on retrouve dans la musique africaine. Installez-vous confortablement. Allez, top, c'est parti. Alors, vous êtes plutôt aujourd'hui, je vous emmène au Togo et au Bénin avec cette jolie statuette. Petite statuette émaillée en bois dur, trace de libation. Ceinture de perles plastiques anciennes. Il s'agit probablement d'une statuette à rattacher au culte des jumeaux Ewé, car on voit encore le reste d'une patine un peu croûteuse d'origine scarificielle. Un bras est absent et porte la même patine que le reste de la statue, ce qui laisse à penser que cette amputation est volontaire. C'était l'objet culte. On part maintenant pour Inté. Clip de ce jour nous emmène au Mali avec Bintou Soumbounou, son titre Tumbaramke. Bintou Soumbounou présente son titre Tumbaramke, réalisé par Fancé de 8 Productions. Nous sommes tous tombés sur le charme de ce clip avec ses magnifiques designs de basé riche, franchement de très belle inspiration pour vos fêtes musulmanes comme la Tabaski ou le Ramadan. Bangalio fara madamba okuri malini re mali. Bangalio fara madamba okuri malini re mali. Comment est-ce qu'on va? Ça va super et toi? Comme d'habitude. On fait la forme. Alors, dis-nous tout. Alors, moi j'adore ce clip. Franchement, c'est l'un de mes préférés. Je suis en totale admiration pour ces basins qui ont été vraiment mis en avant. Des basins riches et tout. Franchement, je suis en totale admiration. Je suis tombé sous le charme de la culture malienne parce que c'est vraiment très beau. Il y a de belles coupes de basins dedans. Comme tu as dit, ça peut inspirer les femmes pour la fête de Tabaski, pour la fête de Ramadan. Vraiment, la chanteuse nous a sorti de très beaux bazins et dans de différentes coupes, pardon. Et il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Parlons de la broderie de ces bazins. Très cher designer, vous pouvez vous en inspirer parce que franchement, il y a des coupes modernes en matière de broderie sur les bazins et c'est très efficace parce que, comme nous l'avons constaté, il n'y a rien à dire sur le style vestimentaire. Aussi, il y a des accessoires à ne pas négliger. Oui, il y a de très beaux accessoires maliens. Maliens, oui, de grands foulards, des boucles, typiquement maliens. C'est très chic. Ikadoki koroluye tungaranke.
Maman Sylvie. Facile une musique made in Africa by Eden Aka. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci Yann Kevins. Merci à vous pour votre fidélité. Restez connectés sur Fashion Africa TV, la première chaîne 100% mode africain. À très bientôt.